salut les internautes, salut les auditeurs. Alors, vous êtes pour votre émission L'Oxé et alors, il est tout juste 17h01 et on reçoit notre invité. Bon, moi, je dis le nom de ton entreprise, tu vas nous dire si c'est vraiment une entreprise, donc c'est Lova Delis, mais présente-toi avec ton nom et ton prénom. Alors, moi, on me surnomme souvent Debbie. C'est un peu mon nom sur les réseaux sociaux, mais c'est le diminutif du coup de Déborah. Et j'habite ici à Saint-Denis et je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, je suis contente de te recevoir parce que en fait on était connectés sur Facebook mais on savait même pas. C'est pour vous dire que Facebook c'est tellement large. Donc moi, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et pour nous parler de ta passion. Donc c'est une passion culinaire. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, j'ai mis en place, l'entreprise il y a à peu près 3 ans. Mmh. Alors, mon parcours, il commence quand je suis en congé parental et j'avais accouché de ma deuxième fille. D'accord. Et je me suis dit, j'ai besoin d'évoluer. Je ne peux pas rester comme ça, j'ai besoin de faire quelque chose. Et du coup, je savais que j'aimais beaucoup la cuisine. Mmh. Surtout pour les enfants, j'aimais faire des petits gâteaux, j'avais pris l'habitude de toujours cuisiner aussi, même quand j'aime recevoir. Donc du coup, quand je recevais pour Noël ou les anniversaires, je préparais souvent le buffet. Oui. Donc du coup, je me suis mis à chercher en fait qu'est-ce qui collerait avec moi, sachant que ça faisait déjà plus de 10 ans à l'époque que je travaillais dans la restauration collective. Donc, d'accord, en fait, j'avais déjà un pied j'avais un pied dans la cuisine, bon, plutôt les mains dans la cuisine. Et du coup, je tenais un labo froid. Mm-hmm. Donc, je faisais les hors d'œuvre, des plats froids. Et puis, voilà. Donc, du coup, j'avais carte blanche pour pouvoir créer des recettes, les revisiter, faire ce que je voulais, en fait, entre autres. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à y prendre goût. Et puis, je me suis dit, je vais développer cette partie. Et voilà, je me suis lancée après dans l'aventure. Donc, en fait, quand tu as commencé, tu étais une mom entrepreneur. C'est à la mode, ce mot-là. Mais j'aime bien, en plus. Et c'était quoi le défi, en fait, de maman entrepreneur? Parce qu'en fait, elle avait quel âge, mon enfant? Elle était très petite. Il n'y avait pas longtemps, j'étais dans ma première année. Hein, elle devait avoir tout juste 1 an quand j'ai commencé à développer un peu mon projet. Mm-hmm. Et donc, pour moi, c'était important que j'ai commencé à développer un sentiment qu'il fallait que je leur laisse quelque chose. Que je vois tout ce qui se passe autour de nous, en fait. Et je me dis, moi, j'ai tellement galéré et je ne veux pas que mes filles elles connaissent la souffrance que moi, j'ai eue. Et même si elles en auront, mais si on peut éviter, si je pouvais leur offrir l'opportunité d'avoir un héritage, quelque chose qu'elles pourraient reprendre et qui pourrait continuer de prospérer, franchement, ce sera ma fierté, quoi. Ah, ce sont des très belles paroles. Et on a African G avec nous, il est arrivé. Oui. On a un petit peu commencé avec toi, mais on va dire que t'es arrivé. African G est avec nous. On va dire que je suis arrivé sur le tard. Je suis en retard, tout ça, les bouchons, oh là là. Ah ouais, non, mais je suis là. Ouais, ça parle de manger, bien sûr que je vais être là. On s'est dit, on allait tous être là, la nourriture on veut, donc je te présente. Vous pensez que j'allais rater? Non, du tout. Je te présente. Ça parle de nourriture, je suis là. Je suis aussi goûteur, oui. Ah oui. Ah. À l'occasion, oui. Alors du coup, oui. Pourquoi donc, pas. Africaine, des vies africaines. Voilà. Donc, on est là. Moi, je suis arrivé. Donc, je prends l'émission en cours. Hein. Je vois que ça parle de ton parcours. Génial, super. Super, très bien. On vient tout juste de commencer et tu nous parlais en fait donc du début, ce qui t'a donné envie de faire en fait. Donc c'est vraiment une entreprise, t'es déclarée, Oui, je l'ai déclarée il y a, maintenant ça fait 3 ans. Hein. T'as pris auto-entrepreneur? Ouais, j'ai choisi auto-entrepreneur, mais en fait c'est parce que j'ai fait un incubateur culinaire en fait. D'ailleurs mon parcours il commence comme ça, c'est que je cherche une formation. Et du coup, je tombe en faisant du
J'appelais tout le monde, je préparais un bilan pour savoir quel diplôme je vise et tout. Et du coup, je suis tombée sur l'association Pleine de Saveurs. Mmh. Et du coup, ils me disent, oui, mais qui vous a donné notre numéro? Alors, je leur dis, oui, j'ai fait les pages jaunes et je cherche... Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Oui, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je rencontre des traiteurs pour connaître un peu leur parcours, savoir par quoi ils étaient passés, quel diplôme ils avaient. Donc, j'étais en fait dans l'étude de marché, en fait. Mmh. Et sans le savoir, je suis tombée direct dans un incubateur culinaire. Et c'était le seul, parce que maintenant, malheureusement, ils ne sont plus présents. Mais c'était les seuls à faire un incubateur culinaire en Île-de-France. Et franchement, quand je suis arrivée à la dernière session... Et ça, c'était vraiment le coup de pouce pour moi. Ça, c'était vraiment la partie qui m'a vraiment propulsée. Alors, explique-nous. Moi, je connais, mais explique-nous pour les auditeurs et ceux qui nous regardent ce que c'est un incubateur. Alors, c'est un centre. C'était plutôt une association qui avait mis en place une formation qui durait 6 mois. Et à l'issue de cette formation, on avait 3 mois pour développer des recettes. Donc, on avait un nombre de recettes qui nous avaient été imposées. Et puis, on avait 3 autres mois où on était avec des cours. Donc, il y avait des professionnels, on avait un comptable, un commercial. On nous a appris comment gérer nos sites internet, enfin, les créer. On a fait nos logos. C'est là-bas aussi que j'ai fait mon logo, que j'ai trouvé le nom. Enfin, tout, en fait, il t'aide à mettre en place ton projet pour que quand tu sortes de là... Tu sors avec direct ton entreprise, t'es déclaré, t'as tout. D'ailleurs, on voit ton petit logo, donc c'est grâce à eux que tu as pu... Oui, le logo, oui. C'est super logo. Ouais. C'est avec Pleine de Saveurs. C'était l'un des cofondateurs, l'un des fondateurs de Pleine de Saveurs. D'accord. Alors, dis-nous pourquoi l'Ova d'Hélice ? Parce que je me suis dit, non, ça n'a pas de rapport avec son nom. Presque, Presque, dis-nous, dis-nous. Sur mes réseaux sociaux, je m'appelle Débile Ovagale. C'est vrai, c'est vrai. Ça, pourquoi ? C'est parce qu'avant, j'avais une autre partie de ma vie où je chantais. Mm-hmm. Et du coup, mon nom de scène, c'était Débile Ova. D'accord. Et pourquoi l'Ova ? Tout simplement parce que je suis très passionnée. Et en fait, pour moi, c'est l'amour, c'est la passion et c'est tout moi, en fait. Et délice parce que j'estime que la culture, la richesse de chez moi, des Antilles, de la Martinique, y a quelque chose à partager, il y a quelque chose à donner. Et du coup, j'ai envie de... Pour moi, c'est un délice par amour, pardon, de donner, de proposer à tous les clients que je côtoie ma richesse. Ah, donc avec son nom, c'est un vrai, vrai programme. On va voir tout à l'heure les petites douceurs que tu prépares. qu'on a vu sur Instagram. On va aussi en goûter, j'espère, ouais. Non, j'ai cru. Lâche pas. Dans la préparation de l'émission, on m'a dit oui, tu vas goûter et tout. J'ai la pression, c'est bon. Mais non, faut pas. Donc on va voir des petites images de ce que tu as préparé. Alors, tu fais plutôt des événements ou c'est vraiment que... Enfin, on sait que Traiteur fait les événements, mais est-ce que tu t'orientes vers les particuliers, les choses comme ça ? Est-ce qu'un particulier peut faire appel à toi pour une soirée ou pour... Je travaille à la fois avec les particuliers, donc du coup sur juste des ventes en détail, par exemple. Mmh. Comme on m'a connu, il fut un temps, j'étais sur le marché couvert en partenariat avec un autre commerçant. Et du coup, j'avais développé un peu une petite clientèle par rapport aux gâteaux. Et du coup, ça arrive encore que parfois on fasse appel à moi parce qu'on m'a connue là-bas. Mmh. Et sinon, je fais aussi pour les mariages, je fais pour les vins d'honneur, les fiançailles, enfin tout type de prestations. Je travaille aussi avec les organisateurs d'événements. Donc, je suis beaucoup aussi dans l'événementiel où je fais beaucoup de concerts. Je fais le marché aussi avec Mitch de P2M. Et puis, du coup... Il est partout, Mitch. Il est partout, Mitch. C'est pour ça, tu m'as dit, connais Mitch. Mitch, il dit rien, mais il est partout, Mitch. Mitch a déjà goûté tes petites douceurs, c'est ça ? Oui. Il a déjà goûté. Les pommes cannelle. Voilà, c'est ça. Parce que je revisite, en fait. Ah, nous, on veut goûter, du coup, je veux goûter. Ah oui.
Et voilà, je fais ça. Je travaille aussi avec différents organismes comme l'Office du tourisme de 93. Voilà, j'ai travaillé avec des restaurants aussi. Notamment un à Paris 18 où je fais les desserts. Enfin, voilà, c'est un peu... Ma clientèle, elle est assez vaste, en fait. Je vise tout le monde. D'accord. Et actuellement, tu vis vraiment de ton activité ou est-ce que tu as un travail à côté aussi? Non. En fait, j'avais pris une dispo. Après mon congé parental, je suis restée en congé sans solde. Et normalement, il se finit. Et je ne compte pas du tout recommencer. Donc, j'ai déjà prévenu que j'allais pas revenir. Parce que j'ai envie de vivre pleinement ce que je fais. Et je m'épanouis beaucoup plus. J'ai plus de goût, plus d'envie voilà, de faire ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Je me sens beaucoup plus utile que de retourner à la case départ parce que voilà, faut savoir que ma boîte, elle change, elle change à chaque fois. Il y a des appels d'offres. Donc, on ne reprend pas forcément les mêmes personnes qui étaient là, les mêmes structures. Et du coup, bah, quand tu arrives et qu'on te dit « Ouais, mais on ne sait pas qu'est-ce que vous faites » et qu'on veut te mettre à la case départ alors que toi, tu connais ton parcours, tu sais que tu es capable de gérer des concerts, tu es capable de gérer plein de choses, tu as ta boîte puisque j'ai du monde qui travaille avec moi. Donc, je suis capable de gérer des équipes. Et quand on me dit que je retourne à la case départ, je me dis « Non, ce n'est pas possible. » C'est pas la peine. Autant que je continue mon parcours et que j'évolue toute seule. Oui, je pense. Donc, du coup, voilà, je vis de l'entreprise pour l'instant. D'accord. Bah, dis-nous ça, sur ton parcours, parce que tu nous as dit que tu gérais des concerts. Enfin, quand je dis que je gère des concerts, c'est. Alors, il y a deux choses. Parce qu'il y a du monde à nourrir, là, du coup. Bah, en fait, c'est surtout que je vais dans. Je participe, comme je disais, je travaille avec des organisateurs d'événements. Et il y en a un qui fait souvent des concerts, surtout pendant l'été, et puis voilà, quelques fois dans l'année. Et c'est des concerts qui ramènent pas mal de monde, quoi. Et du coup, parfois, on est deux stands ou trois stands alimentaires, mais il faut gérer le flux. Faut gérer le flux. Voilà, les gens, ils sont là, ils ont besoin de manger, ils ont faim. Pour un concert, je vois que les stands. C'est le plaisir, on mange en écoutant de la musique. C'est ça. Surtout les stands sont toujours avant de rentrer. Ah oui, mais j'ai fait aussi la Foire des Savoir-Faire 2019. Et pareil, j'ai fait aussi le Festival du Cinéma Écran aussi. Donc, c'est des événements voilà, qui sont différents, mais qui génèrent beaucoup de passages, quoi. Rien que sur la foire, ils ont eu, si je ne me trompe pas, hein, en tout cas, je crois 29 000 passages ou quelque chose comme ça sur la période. Et du coup, on est plusieurs. Je ne suis pas toute seule. Donc, en fait, mon entreprise est très vite devenue une entreprise familiale. D'accord. Vous êtes à combien, du coup bah, en fait, moi, je prends toute la famille. Je dis, tu veux travailler venez, allez, viens. Tu veux travailler Non, mais en fait, c'est vrai, c'est que je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai commencé, je ne pensais pas qu'ils allaient croire en moi et qu'ils allaient m'aider. Enfin, j'ai cette chance-là, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir toujours ma mère et mes sœurs et mes tantes. J'ai vraiment ma nièce, j'ai toute ma famille qui m'aide et qui me dit, voilà, si tu as besoin d'aide, voilà, on est là. Et ils ne m'ont jamais abandonnée, quoi. Ouais. Ça, c'est bon. Ça, c'est mon point fort. Et vraiment, pour les contacts que tu as pu faire, c'est toujours au téléphone, c'est ça? Ah non, pas jeune. Ça change. Ah, j'imagine maintenant. Bien que là, ça a changé. Maintenant, c'est plus toi qui appelles, c'est toi qu'on appelle. Voilà, c'est ça, merci. C'est toi qui dois dire maintenant. Après trois ans. Maintenant, c'est elle qui doit dire, mais où est-ce que tu as eu mon téléphone? J'avoue, non, ben, franchement, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir de voir quand même que bon, ben, c'est là qu'on se rend compte. Des fois, j'ai des gens qui m'appellent et me disent « Oui, j'aimerais passer commande. » Mais j'ai oublié de leur poser cette question. Mais par comment vous m'avez connue? Parce que c'est vrai que c'est important de savoir est-ce que c'est les réseaux sociaux qui font leur travail, est-ce que c'est le bouche à oreille. Mais sur le coup, j'y pense pas. Je me dis « Ah, ben, tiens, il faut que j'honore une prestation. J'ai, voilà, le client, il a une demande. » Et là, je rentre vif dans... Enfin, je mets ma casquette de traiteur et j'oublie cette partie où j'aimerais savoir mais comment ils m'ont connue, en fait. Est-ce que... Voilà, parce que des fois, je suis pas très présente sur les réseaux sociaux. Des fois, j'ai des prestations qui s'enchaînent. Donc, du coup, j'ai un peu de mal à tenir la partie communication. C'est vrai qu'en tant qu'artisan, il faut faire un peu tous les métiers, mais après, c'est le temps. Il faut être partout. Faut être partout.
la logistique, t'es commercial, t'es comptable, t'es en cuisine, t'es commis de toi-même. C'est sûr. Donc, devenir schizophrène. Donc, on va voir les images de ce que tu peux proposer lors de tes différentes prestations. Donc, j'avoue, on a pris les images sur Instagram. Elles étaient super bien. Donc, on s'est dit, bon, on fait le taf comme ça. Bah, celle-ci, c'était pour un concert, un brunch concert, croisière brunch. Mm-hmm. Donc, c'est pendant l'été. C'est sur un bateau de croisière, en fait, où le prestataire que je citais tout à l'heure par rapport au concert, il organise aussi des concerts brunch. D'accord. Et du coup, bah, il avait fait appel à moi l'année dernière, mm-hmm, pour pouvoir faire les plats. Donc on a eu, je crois, 4 croisières pendant l'été, si je ne me trompe pas. Ouais, enfin, c'est pas mal. 4 croisières. Et il y avait combien de personnes à peu près, tu peux me dire? Chaque croisière, c'était entre 60 et 66 personnes. Ah oui. Ah ouais, quand même. Ouais, franchement, il fallait dresser sur place, tout était c'était à la minute parce que les gens ils avaient une heure d'aller-retour sur la péniche, mm-hmm, 1h30, et donc du coup il fallait aller assez vite, fallait gérer quoi. T'as même pas pu profiter de la croisière. Non, moi je voyais pas du tout ce qui se passait dehors, moi j'avais juste le petit hublot en haut là. Ah ouais, mais c'est sûr. Du coup, je me regardais juste les nuages, les ponts. c'est pour ça que c'est important. J'espère que tu vas confirmer d'aimer ce qu'on fait parce que des fois, on n'a pas l'occasion de profiter de ce qu'il y a autour. C'est vrai. Il faut vraiment kiffer ce qu'on fait. Mais je suis vraiment claquée quand. Mais quand je fais les concerts ou même les foires ou le marché, j'avoue que sur le coup, je suis à fond. Enfin, au moment de servir, j'aime, mm-hmm, cette partie-là. La relation, en fait, avec les gens, c'est la plus belle partie, en fait, du métier. Parce que les gens, ils sont là, parfois, ils parlent avec moi, ils me racontent des choses. On ne se connaît pas du tout, mais on a l'impression qu'on se connaît depuis, je ne sais pas, qu'ils m'ont déjà croisé dans une autre vie. Et du coup, ça va super bien. On discute, je parle de moi, je parle de Lova Delis, je parle, mm-hmm, de ce que je fais. Je parle de ma famille. Enfin, voilà, de ma famille, je m'entends. Mais du coup, j'aime cette partie du métier. Enfin, franchement, c'est ma partie préférée. Quand ils sont contents, qu'ils posent des questions, qu'ils s'intéressent, je me dis, ah, c'est bon, je peux souffler. J'ai accompli ma mission. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils font appel à toi après. Parce que tu dis, des fois, tu ne sais pas pourquoi les gens ils t'appellent, mais je pense que si tu as ce contact facile, les aussi. Gens, ils sont aussi. C'est après, vrai, je pense que ça plus fait beaucoup de bouche à oreille derrière. Ouais. Lorsqu'on sait que la personne elle est accessible, les gens ils ont plus tendance à dire bah, tiens, j'ai le numéro d'un traiteur que j'ai croisé, elle est super sympa, appelle-la. Et les gens appellent, elle rigole beaucoup. C'est ça, mais il faut. C'est important le relationnel, c'est super important. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait plaisir. Bah, franchement, c'est beau. C'est une belle. Bon, il y a la cuisine, il y a le moment où. Le résultat final, ou bah, par exemple sur des buffets, mm-hmm, où on va avoir des verrines, des pièces. Quand je vais dresser la table, je vais me dire waouh, c'est bien, t'as bien bossé. Et je vais me dire c'est bien parce que j'ai le résultat que je voulais. Bon, je suis perfectionniste par contre. Mais je pense qu'on est à peu près tous comme ça. J'imagine bien. Pas tout le monde, mais. Surtout pour faire à manger. Faut... Moi, je suis perfectionniste pour manger. Ça y a pas de soucis. Moi, il faut que le visuel soit... Il donne envie de manger. Voilà. Et il faut qu'on mange avec les yeux d'abord et ensuite avec la bouche. Alors, on va passer une toute petite pub et puis on revient après, juste ça après. Marche. Alors, on revient avec Debbie qui nous parle de la cuisine. Donc, sa passion, donc du coup, maintenant, elle a créé... Enfin, maintenant, il y a 3 ans, elle a créé son entreprise autour de sa passion qui est la cuisine. Elle était une mom entrepreneur. Elle l'est toujours, d'ailleurs, mais avec des enfants un peu plus grands. Oui. Elle nous a expliqué un petit peu son parcours, comment elle a fait pour commencer avec un incubateur culinaire et qui lui a appris un peu tout ce qui est sur la création d'entreprise, le développement aussi d'entreprise. Et je pense que ça lui sert toujours actuellement. Et on a... aussi un petit peu fouillé. C'est vrai, j'ai pas vu les images où tu chantais. Peut-être t'en as pas vu, t'as retiré. Je sais pas. Mais quand j'ai fouillé. Je pense qu'elle a dû faire en mode bon, maintenant c'est le nettoyage. On va tout enlever. On va mettre que la cuisine. Personne ne saura ce que je faisais avant. Voilà. Ouais, j'avoue que tu m'as appris un truc. Là, c'était une exclue que tu chantais. J'ai pas vu. Donc, j'ai pas pu faire le rapprochement entre l'ova de la chanteuse et l'ova de la cuisine. Mais il y a un rapport. Ah, oui, tu as trouvé. Il se peut qu'on ait quelque chose parce qu'on a Mitch
Et Mitch, c'est un magicien. Mitch, quand il cherche, il trouve toujours. Même quand on ne veut pas. Donc, j'ai oublié de nettoyer. J'ai nettoyé mon Facebook. Bon, alors, j'ai pas nettoyé. On peut mettre un petit... un petit peu ce que tu fais. Bon, je suis devant le fait accompli, alors. Là, c'était pour une audition. Hein. C'était, enfin, une audition. C'était un concours, en fait. Et il fallait faire une vidéo de soi en acapella, enfin, comme ça, quoi. Pour pouvoir appeler les gens à voter, pour être présélectionné. D'accord. Mais est-ce que Déby a autant de voix qu'elle cuisine? Vous me direz. Bon, on va voir. On demandera aux internautes. On va regarder ça en live. On va voir ça. Ça date. Oh là là. Yeah, oh mon Dieu. Baby Lova. Baby Lova girl. Il est à moi. Et si tu n'entends pas, je ne le répéterai pas. Oh, oh, oh. Quand je te regarde partir, je me dis encore une nuit. Sans lui. Alors, c'était un petit passage. Ouais, on va continuer avec. Hein. C'était pas voilà, c'était un petit passage. Voilà, c'est très bien. Voilà. Mais on va continuer avec les vidéos maintenant sur ta passion culinaire, parce que tu as proposé des petites vidéos pour par rapport à ta passion. C'était quoi l'objectif pour toi de faire ces petites vidéos? Alors en fait, je voulais mettre en place une émission culinaire où en fait. Enfin, une émission, c'est un grand mot, mais je voulais mettre quelque chose, vraiment une chaîne en fait, YouTube de cuisine, où je voulais réconcilier en fait les mamans qui, comme moi, enfin la vie d'entrepreneuse, t'as des enfants et tu vis seule avec tes enfants, et donc du coup, tu dois jongler entre toutes les casquettes, on disait commerciale, comptable de l'entreprise, et quand tu rentres à la maison, bah, t'as aussi la casquette où voilà, tu dois aussi t'occuper de tes enfants. Et du coup, c'est vrai que par moment, bah, on se dit, on n'a pas envie de faire à manger, ou qu'est-ce qu'on va faire de rapide, ou... Et en fait, l'idée, c'était de les réconcilier, et moi, autant que moi je m'étais réconciliée avec la cuisine, bah, c'était de les réconcilier avec des petits produits du quotidien et faire des recettes qui pourraient être même proposées si on reçoit du monde, avec des produits pas chers, avec des produits du quotidien. Et en fait, c'était juste donner des petites astuces, des petits conseils de ce que j'avais appris moi dans la restauration collective et ma petite touche personnelle pour le dressage. D'accord, ah ben, on va regarder ça. C'est cool, on va regarder ça gentiment. Ça arrive. Bonjour et bienvenue dans mon émission culinaire KDB, qui signifie en français chez Déby. Hier, comme vous le savez, j'ai tiré au sort la meilleure recette, la Lova recette de novembre 2018. C'était à l'occasion du thème que j'avais proposé, un plat copieux à base de poisson. Et c'est notre amie Greta qui vit à Orléans qui nous avait proposé un millefeuille. Et j'ai décidé aujourd'hui, grâce à ça, son originalité et ma créativité, de révolutionner ce millefeuille et d'en faire un millefeuille de saumon. Et aujourd'hui, tout de suite, je vais vous montrer toutes mes petites astuces et tous mes secrets pour réaliser ce millefeuille. Et c'est parti! Mais avant cela, je vais vous expliquer étape par étape le procédé pour cette recette. Nous allons tout d'abord commencer par notre voluptueuse crème de saumon. Donc pour cela, nous allons utiliser des chutes de saumon fumé et de la crème mascarpone. Ensuite, nous allons utiliser des épices. Donc là, moi, j'ai sorti une panoplie d'épices parce que j'aime revisiter et j'aime chercher de nouvelles saveurs et de nouvelles créations. Donc après, bien sûr, chez vous, vous pouvez faire et adapter selon vos goûts, selon vos habitudes. Ensuite, on va aussi attaquer le guacamole parce que j'ai prévu de faire une petite crème à l'avocat, donc avec une base guacamole. Et nous allons faire aussi notre millefeuille. À défaut d'avoir de la pâte feuilletée, j'ai décidé de faire des tranches d'aubergine grillée. Nous avons des herbes, du piment végétarien, de l'oignon, de l'ail, du sel, du poivre, du persil et tout ce qu'il faut pour donner du goût à ce millefeuille. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc du coup, nous allons préparer la crème de saumon. Pour ça, vous allez avoir besoin de la mascarpone, de quelques chutes de saumon, d'un oignon, de la nette, du poivre, du sel, de l'ail et moi, j'utilise du piment végétarien pour donner du goût. C'est parti !
Allez, on y va. Donc nous allons couper grossièrement. Alors moi, bien sûr, vous pouvez démincer à la main. Moi, j'utilise mon robot pour hacher, donc je coupe grossièrement et je mets le tout. Voilà. Je vais laver mon navette dans un coup de poule. Dans notre coup de poule, nous allons mettre notre crème, parce qu'un peu. Alors, je vous conseille de réserver quelques chutes de saumon pour la déco. Alors on voit, c'est vraiment bien détaillé, tu montes vraiment tout. Mais moi, la question qui me taraude, c'est ta cuisine. Alors, alors en fait, c'est pas ma cuisine, mais je voulais vraiment mettre en place quelque chose de réaliste. Et je voulais vraiment me mettre en situation où je suis dans une cuisine, dans un appartement. Une cuisine domestique et du coup pour que les gens ils se sentent à l'aise, parce que du coup si on va dans une cuisine professionnelle et qu'on utilise un matériel professionnel, on se sent pas concerné. Enfin, une maman ne se sent pas forcément concernée par le concept, et donc du coup il fallait vraiment que ça paraisse naturel comme à la maison. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils. On va voir le final de ce que tu prépares. Oh là là, ça a l'air bon. Là, je te donne des conseils de dressage en fait. D'accord. Je donnais des conseils. Et en fait, j'ai juste utilisé une aubergine que j'ai fait griller et puis du saumon que j'ai fait. J'ai fait une mousse de saumon avec. Mm-hmm. Et après, tout est dans la déco. J'ai donné une astuce. J'ai pris des fleurs comestibles. J'ai pris un sachet de salade. Enfin, c'est vraiment des produits pas chers qu'on peut trouver. Et pourtant, on peut faire quelque chose de super bien avec. Conseil facultatif, bien sûr. Bien à vous. Du spray alimentaire couleur dorée pour venir vraiment relever notre millefeuille. J'ai ajouté de l'aneth pour la décoration avec des tranches de saumon. J'ai également trouvé aussi des fleurs comestibles qui viennent sublimer votre plat, votre assiette, et vos invités seront plus que ravis. Ça sort de l'ordinaire et c'est super facile à trouver. Je vous souhaite un très bon appétit et j'espère que vous allez vous régaler avec ce plat copieux, revisité, un millefeuille de saumon avec des tranches d'aubergine, du saumon fumé, une crème d'avocat, des fleurs comestibles, de la salade et une petite vinaigrette, fruits de la passion et vinaigre. Je vous souhaite bon appétit. Si vous avez envie de participer à notre jeu culinaire, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Mais ça me fait penser un peu quand on était plus jeune, je sais pas. Si tu as connu ça, Gisor, il y avait une émission sur France 2 avec une dame qui faisait des plats et tout. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Babette de Rosière. Je sais plus. Quelque chose que je connais. Non, c'était il y a longtemps. Ah, Maïté, voilà, ah oui, avec la truc qu'elle... voilà, tu nous as épargné la souffrance animale. C'était ça. Non, mais c'est vrai que c'est plutôt cool de voir des petits trucs comme ça. C'est sur YouTube, c'est ça, hein? Oui, j'avais commencé au départ sur YouTube. J'avais lancé ce format-là. Et du coup, il y a eu des petites complications, comme dans tout début de projet, des complications. Et puisque cette vidéo, elle date de 2018, donc j'avais commencé fin 2018. Et en 2019, je devais avoir un nouveau concept, une nouvelle équipe, mais ça s'est pas passé comme je le voulais. Mais cette année, pour mieux rebondir, je vais pouvoir finalement avoir l'opportunité de parler un peu de partager des recettes, des astuces de cuisine dans une chronique culinaire que je vais animer à partir du 4 février, donc sous format radio au final. Ah, ben ça, c'est d'accord. Top, ça. On ça, c'est a vraiment des... top. Oui, on a ici, une esprit, là. Du coup, à P2M, dans l'émission Clairage Solide. Okay. Mais tu nous avais pas dit ça. Mais ça, tu nous avais dit tout ça, tu nous l'avais caché. Ah, ben c'est super. Comme on disait, les meilleurs sont à P2M, donc on est ravis. Ah, ben voilà. Mitch, il repère tout le monde. Mais c'est vrai que... Moi, ce sera juste un mardi sur deux. Ce ne sera pas une quotidienne, mais voilà. Ouais, mais même si c'est un mardi sur deux, c'est déjà bien. Et surtout que c'est vrai que c'est ce genre de vidéos sur YouTube, c'est vrai qu'on ne pense pas à les chercher. Exact. C'est vrai qu'on a plus l'habitude maintenant, c'est par rapport aussi aux réseaux sociaux, des vlogs sur Instagram, sur Facebook. On néglige un petit peu ce format et cette plateforme qui est YouTube, qui permet de mettre des vidéos assez longues.
Exactement. Quand même, et qui permet de, d'avoir une recette complète, parce que c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup les vlogs. C'est, oui, vous prenez ça, vous faites ci, vous faites ça. En deux temps, trois mouvements, une minute, tu as une vidéo exactement. D'une recette. Sauf que la recette, elle ne dure pas une minute. Non. Donc souvent, on essaye. Moi, personnellement, j'ai mes filles qui ont essayé de faire une recette. Bon, voilà. Avec une minute de vidéo, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'on ne te dit pas comment couper, on ne te remontre exact. Pas, tu n'as pas d'exemple. Donc, ben débrouille-toi, il faut des émincés d'oignons, il faut un émincé de ceci, il faut un émincé de cela. Tu mets ça comme ça, tu fais ci, tu mets au four, tu ressors, le plat est prêt. Voilà, c'est ça. On n'a pas les astuces, on a rien. On n'a pas des c'est conseils ça. Où trouver les produits. Enfin, voilà. C'est des petits détails qui manquent. Et... Exact. C'est vrai, mais ce que tu dis, c'est totalement ça. En fait, maintenant, avec Instagram, Facebook, on n'a plus le temps d'aller sur YouTube. Et d'ailleurs, bah, c'est peut-être un mal pour un bien, au final, que bah, ça n'a pas continué comme je le pensais. Mais non, je te rejoins totalement. C'est vrai. Ouais. C'est une réalité, en fait. C'est vrai, mais je pense que des petites émissions comme ça, ça peut être bien. T'en penses oui, quoi, Gisèle ? Franchement, ça... moi, je suis pas... Comme je t'ai dit, moi, je suis plus spécialisée dans le manger. Donc, comment manger je peux vous donner l'art et la manière. Je ne suis pas très cuisine, mais franchement, ouais, c'est... En tout cas, c'est ce que tu proposes, ça donne envie de manger. Merci. Peut-être pas de préparer, parce que moi, je ne suis pas... Oh, mais ça donne quand même envie de préparer. Tu prends combien pour faire à manger tous les jours? Ça y est, à faire sa commande quotidienne. Bah, écoute, moi, sur la semaine, tu me fais mes plats. Je fais ça en plus, des prestations, des plateaux repas. Enfin, les gens, ils ont la possibilité de commander à l'avance, de me dire, bah, ce sera quoi ton menu de la semaine? Bon, à ce moment-là, je vois si j'ai quand même un minimum de commandes. Je me dis, bah, allez, je me fais un vrai menu. Et du coup, je propose. Et puis, du coup, il y a moyen de me dire, de m'appeler avant au moins 10 heures et de me dire, je prends un plat. Et comme ça, moi, ça me laisse le temps de faire ce que j'ai à faire, de cuisiner. Et puis, pour midi, d'être livré, quoi. D'accord. Dis-nous comment ça fonctionne. Est-ce que c'est un périmètre bien précis? Parce que tu alors, surtout sur Saint-Denis. Pour d'accord. être sûr d'être livré à midi, bon, c'est surtout sur Saint-Denis. Mm-hmm. Après, ça peut être aux alentours, parce que maintenant, j'ai fait une collaboration avec la régie de quartier de Pierrefitte, je crois. Et en fait, ils ont mis un système où c'est des vélos avec... des vélos, en fait, ils ont une grande caisse à l'avant et ils peuvent faire des livraisons de traiteurs. Et du coup, ça fait fonctionner la ville, ça fait fonctionner une association. Enfin, parce que moi, je suis un peu investie quand même dans Saint-Denis. Révolution et tout. Donc, du coup, j'ai la possibilité de passer par eux. Et à la fois pour même une prestation pour 10, 15 personnes, ça rentre facilement dans leur vélo, quoi. Ouais, c'est assez grand. Donc, du coup, voilà, il y a la possibilité d'être alentour. Pour te contacter, du coup. Comment ? Le numéro pour te contacter. Pour alors, mon numéro. Alors, c'est le... Non, mais pour les commandes, ah, hein, oui, pas le perso. Précise. Ah, mais... après, si tu as une annonce perso à faire, tu peux le faire. Il faut toujours préciser, parce que c'est vrai qu'il y en a qui. Il y a des internautes qui vont être là, vont dire, ah, va donner son numéro. Super, je vais noter. Là, c'est très bien. Allez-y, 06, oui, on écoute. Bah, sinon, on peut commencer par l'adresse email. Ah, bah, moi, j'ai dit téléphone, mais oui, si c'est par email. Non, mais je peux donner l'idée. Bon, le plus simple, c'est d'aller sur le site de l'Ova Délice. Donc, c'est lovadelice.fr. Et bah, y a la petite fenêtre contact. Et puis, du coup, on m'envoie du coup, un petit mail, un petit message. Il y a aussi les réseaux sociaux. Donc, il y a ma page Facebook, Lova Délice. Donc, pareil, là, bah, du coup, il y a les photos, il y a plein de visuels. Donc, ça raconte un peu mon parcours depuis le début. Donc, là aussi, on peut me contacter, voir ce que je fais. Je suis présente sur Instagram. Et puis, du coup, mon numéro de téléphone, il s'affiche aussi sur la page. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on peut voir le numéro, c'est le 06 63 29 60 22. Et l'adresse email, c'est lova.delice@gmail.com. Ça, c'est okay, cool. Parfait. Ça veut dire que demain, si je passe une commande, je peux être livré. C'est ça, exactement. Ah, ça, c'est bien ça. Je vais y penser pour au boulot. C'est bien ça. À bah midi. Oui. Tiens, on va appeler Lova Délice. Tiens, j'ai faim. Hop, Lova Délice. Allô, oui, voilà, je voudrais commander le plat du jour. C'est ça. Bah, vous êtes, par exemple, vous êtes 5. Parce que c'est surtout avec les gens des bureaux que je fonctionne comme ça. Mm-hmm. C'est plus simple aussi pour moi. Du coup, même avec des gens qui font des massages
Et quand ils ont la formation, ça dure une semaine. Et donc, le dernier jour de la semaine, ils prévoient toujours qu'il y a un traiteur. C'est la coutume qu'il y a un traiteur qui vienne. Et du coup, heureusement pour moi, ça fait, je crois, 3 fois qu'à chaque fois, c'est moi qui rappelle. Donc, du coup... Bah, c'est bon, alors. Du coup, ça, ça me va bien. Et du coup, voilà, je leur donne un menu, une offre, je leur fais une proposition et ils choisissent. Voilà. Il y a toujours un choix quand même entre 2 formules et après ils prennent ce qui convient. Donc après, bon, moi, mes recettes, bah, je pense, comme vous voyez, ça varie en fonction du lieu. Là, c'est des photos quand je travaillais à Poincaré, à la coopérative Poincaré. Okay. J'ai fait 2 mois là-bas, 2 ou 3 mois. Et du coup, bah, eux, ils faisaient un peu plus, un peu végétarien, soft, enfin voilà, équilibré. Donc voilà, j'ai proposé un peu mes salades, un peu de plats, je faisais mes sandwichs maison. C'est le pain, le petit pain. Le petit pain tradit là au mariage. Ouais. Ben, moi, je le fais en grand. Je le fais en grand et ça fait un sandwich. Oui, j'ai vu aussi que tu faisais des journées avec eux. C'est les Lovas Day. C'est toi qui as mis ça en place, ah, en fait. Oui. C'était dans ce cadre-là que tu proposais tout ça. Oui, les Lovas Day, en fait, c'était pour annoncer mon arrivée du coup au Poincaré. Et du coup, j'ai lancé une offre commerciale. Je me suis dit, voilà, une offre de bienvenue. Et j'offrais le dessert. J'avais fait du blanc manger coco. Et j'offrais le dessert pour que les gens ils viennent découvrir un peu. Et puis j'étais là toute la semaine, quoi, pour parler un peu des plats, de ce que je faisais et tout. D'accord. Et au niveau des plats, tu proposes tout type de plats. Est-ce que tu fais juste la cuisine un peu? Parce qu'on a vu plus de plats créoles. Est-ce que tu fais tout type de Alors, cuisine en ou fait, c'est vraiment spécialisé? Il y a un terme qui a été utilisé pour me décrire. Alors apparemment, je créolise la cuisine française. D'accord. Donc ça veut dire que pour moi, je fais de la cuisine franco-antillaise. Je mélange les saveurs des Antilles avec des produits locaux de la France. Donc du coup, j'essaie d'adapter. Par exemple, j'ai créé la recette, le colombo de légumes. Bah, j'ai utilisé des légumes d'ici, comme la courgette, l'aubergine, voilà, des produits qu'on va retrouver sur le marché, des choses comme ça. Et pour la créoliser un peu, en plus de la sauce colombo, c'est que j'ai remplacé notre traditionnelle pomme de terre par de la patate douce. Et donc, d'accord, du coup, ça permettait d'avoir ma petite touche personnelle parce que moi, je revisite. Je revisite les classiques de chez nous pour que ce soit accessible à tout le monde, surtout par rapport à mon secteur. Là, je suis à Saint-Denis. Il faut que ce soit vraiment une cuisine diversifiée. Il faut vraiment que ce soit accessible à toutes les communautés qui existent ici. Donc, du coup, je fais à la fois du végétarien, à la fois du bio, à la fois du vegan. Enfin, mais toujours avec la touche créole Lova Delice. D'accord. Est-ce que tu mets le côté un peu diététique aussi? Parce que c'est aussi... Ben, si, c'est possible. Parce que j'ai des clientes, parfois, qui sont pas exigeantes. Oui, c'est que la cuisine créole, à la base, est très... C'est là que j'interviens. Je viens adoucir les choses. Ah, ben ça, c'est bien. Je viens apporter une petite touche d'équilibre, un petit raffinement. Ça veut dire qu'en gros, on peut dire, bon, ben, écoute, je vais prendre le sport, j'ai envie de manger équilibré. Allô, Lova Delice, j'ai besoin de plats. Voilà, mais carrément, une salade riche. Enfin, voilà, il y a toujours moyen de faire des compositions en fonction du client qui est devant moi. Moi, je m'adapte. Je m'adapte vraiment. Ça, c'est bon à savoir, ça. Donc, les internautes, vous savez ce qu'il vous reste à faire, parce que, bon, voilà, je vois que toutes les questions, tout ce que j'ai pu dire, elle est déjà dedans. Donc, elle fait les plats. La semaine, tu veux manger, on te fait tes plats. Voilà, il y a des petits wraps. Là, tu as des petits wraps et tout. Alors, ça, c'est la carte de l'été. Ça, c'est le produit phare de l'été. Et mes wraps, ça cartonne. J'ai fait des wraps boucanés, des wraps végétariens, royal végétarien. Et en fait, je m'étais créditée de la banane plantain frit, de la sauce chien, enfin, ou même une sauce que je peux faire moi-même ou que j'achète. Mais franchement, en été, là, ça cartonne les wraps. Je veux bien te croire. J'attends l'été avec impatience. On va attendre l'été gentiment. Parce que là, il fait un petit peu froid. On va... Heureusement que j'ai mangé avant, parce que là, mon Dieu. Ah oui, non, mais là, ça y est, ça donne faim. Là, ça y est, là, j'ai faim. Hein. Ah oui. Franchement, oui. C'est... Donc là, c'est on voit tout ce que tu as mis, en fait, dans ton wrap. Il y a de la salade, des crudités, les bananes plantain frites,
Voilà, celui-là, ça devait être un végétarien, je pense. On enroule. Et après, ben voilà, il n'y a plus qu'à rouler, couper puis, en deux. On parle de wrap, hein, les enfants. Et c'est parti. Ben, ils sont loin, je prends les plus grands. Les plus grandes galettes quand même. Voilà, c'est le côté ouais. généreux de la cuisine créole. Voilà, c'est ça. Ah non, mais ça c'est. Et les pâtés aussi. Les pâtés, ah, aussi les pâtés aussi. Ouais, je les revisite aussi. J'ai créé des saveurs en fait. J'ai fait pâté morue graines de pavot. Donc il y a toujours le côté traditionnel mais revisité, d'accord. Donc c'est morue graines de pavot, c'est poulet boucané et bœuf colombo au niveau des salés. Et puis après, au niveau des sucrés, je fais après ma confiture de banane, ma confiture de coco et puis des pâtés guayave. D'accord. Ok, oh, super. On regarde des images encore. Ah, bah, je crois qu'Emile, on va passer un clip là. Parce que ah oui, je crois. Parce que là, ça y est, là, je pense que tout le monde a faim. Il est à peine 17h44. Mitch, passe-nous un clip, s'il te plaît. Et là, ça y est, tout le monde a faim, là, ça y est. Ça y est. Tout le monde s'est déconnecté, tout le monde est parti manger. Allez, on revient. On a toujours aussi faim, mais bon. C'était pour faire la petite coupure, là, parce que moi, perso, je sais pas pour toi, Africane, mais là, j'en pouvais plus. Non, j'ai juste envie de manger. Moi, j'ai toujours faim, mais le truc que les internautes ne savent pas, moi, je vais vous balancer. Hein, voilà. Pendant le clip, voilà, on a passé des commandes et voilà, on va bien. Je pense que ce soir, on va bien manger ce soir. Voilà, je pense qu'on va bien manger ce soir. On passe des petites commandes, là. Intéressant. intéressant. Bon, on va rester sur le même thème. On va arrêter de parler de nourriture. Là, ta passion la déborde. Ah oui. La place. Maintenant, on va parler un peu de ma passion. Je vais taquiner un petit peu sur tes cheveux. Parce que j'ai vu tes locks, mais elles sont magnifiques. J'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu. Déjà, t'as tes locks depuis combien d'années? Alors, mes locks, ça fait 6 ans que je les ai. 6 ans? 6 ans, ouais. Tu étais où? J'étais. Ils sont non, super bons. 6 ans, j'ai commencé peut-être au cou. Ouais, j'avais les cheveux au cou. Faut dire qu'avant, mes cheveux, j'avais fait tellement de trucs dedans. Tu fais quoi? Raconte-moi un peu. Alors, en fait, faut savoir que des locks, j'ai toujours voulu en faire. Mais tu connais les daronnes. Ah oui. Oui. Ah. Qu'est-ce que maman disait? Pas de locks, c'est son Ah non, tout au fait. Le fameux point où les locksés sont tous des drogués. C'est ça. C'est et des délinquants. Et des délinquants. Oh, c'est ça. C'est ça. Elle n'a pas dit tout ça, mais. Elle voulait pas trop. En tout cas, ah non, c'était une miette. Elle m'a dit tout le temps, mon caïmoyant. Non. Surtout que tu es chez moi, pas de locks. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours fait une fixation là-dessus. J'ai toujours été. Très roots, très quand enfin mes sœurs écoutaient de la dancehall, du zouk, moi j'écoutais du reggae, donc je trouvais ma voix et moi j'étais pas du tout, je me sentais à part en fait. Et quand je suis arrivée en France en 2007, j'ai quitté le pays en 2007, je suis arrivée en France, on va dire peut-être un an après pas un an après, mais ça avait recommencé à trotter dans ma tête, pas un an après, mais des années après. Mais ça recommençait à trotter dans ma tête. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, t'es chez toi, t'as envie de les faire. Ça fait depuis que t'es jeune, t'as envie de les faire, vas-y, fais-les. Et sur un coup de tête avec une amie, elle m'a fait des vanilles et je lui ai dit, allez, je fais des locks. Elle me dit, t'es sûre? J'ai dit, oui, fais-moi des vanilles, je fais des locks. Et du coup, elle m'a fait des vanilles et après, je les ai plus enlevées. Et ça s'est transformé en locks. J'ai dit, non, c'est sûr, je les enlève pas. Et au début, c'était difficile parce que, bon, il faut se coiffer. Je travaillais dans la restauration, donc forcément, bon, il fallait toujours j'attachais, je mettais un bandeau, des choses comme ça. Mais franchement, ça a pris tout seul. Ça poussait d'abord et après, ça a pris l'ox. D'accord. Et ça n'a pas fait... Non, ça a gonflé au fur et à mesure. Ouais, j'avais les cheveux super fins. Donc, du coup, je sais pas, ça a pris du temps comme je faisais des brushing, des couleurs, des choses comme ça. Donc, du coup, ça a pris un peu de temps pour vraiment prendre, quoi. Ça poussait. Par contre, ça poussait, mais ça restait des vanilles. Limite, si je faisais ça, ça se dépassait, quoi. Donc, du coup, ça a pris un peu de temps, mais après, ça fait son chemin. Et dis-nous, au niveau de ta routine, qu'est-ce que tu faisais?
Alors, très honnêtement, je suis quelqu'un, je n'embête pas du tout trop mes cheveux. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire je laissais mes cheveux tranquilles. Je prenais soin d'eux, mais je les embêtais pas. Je mettais pas une tonne de produits, je mettais pas des masques, j'étais pas tout en train de jouer dedans. Par contre, c'est ma sœur qui me coiffait à l'époque. Et elle me disait, non, tu pars pas comme ça. Et elle me faisait des jolies coiffures et tout. Et du coup, bah, c'était toujours elle qui prenait soin pour moi. Mais pour moi, je partais dans l'optique que si je faisais des locks, justement, c'était pour laisser mes cheveux naturels. C'était pour les assumer comme c'était. Et puis, ne pas trop les embêter. Ça allait avec moi, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Et du coup, bon, le côté féminin fait que tu es obligée quand même d'avoir un feeling, un swag. Ah oui, non, mais super important, super important. Après, ouais. C'est vrai que les locks, apparemment, c'est beaucoup d'entretien. Ouais. Contrairement à ce qu'on croit. Franchement, moi, j'ai une coiffeuse actuellement qui c'est une coiffeuse à domicile. Et du coup, c'est elle qui vient prendre soin de mes locks chaque fois que je l'appelle pour me coiffer. Mais en dehors du fait qu'elle vienne me coiffer, de moi-même, je dirais, à part les shampoings et puis mettre de l'huile, je mets de l'huile dans mes locks au quotidien pour les coiffer. Sinon, je ne mets pas trop de produits dedans. Enfin, je ne mets pas des sprays, des trucs comme ça. Franchement, c'est que de l'huile. Okay. De l'huile. Et puis, quand elle me coiffe, c'est sa gamme de produits qu'elle utilise. Le gel aussi pour coiffer que dans le temps, j'utilisais quand je me coiffais avant, toute seule. C'était Talia Wajid. Okay. Je trouvais que ça allait bien avec mes cheveux, ça laissait pas de résidus et tout. Et voilà. En fait, c'est surtout, j'ai pas de produit proprement parlé, c'est elle qui vient avec sa gamme et qui s'occupe de mes cheveux. Et au niveau des huiles, tu utilises quoi, toi ? Alors, soit je mets de l'huile de carapate quand on me ramène du pays. Mm-hmm. Sinon, c'est de l'huile de coco ou de l'huile de carotte. D'accord. Tout ça, c'est bien pour nourrir. Et au niveau de l'hydratation, est-ce que tu as d'autres produits ou vraiment c'est ton shampoing, l'huile? Shampoing, c'est tout. Ouais, shampoing, huile. Okay. Franchement, je les embête archi pas. Elle a dit, elle touche pas à ses cheveux. Je leur fais pas la misère. Elle a dit, elle les laisse. Faites ce que ça, vous ça, voulez. Ça pousse, ça fait sa vie. Voilà, ça fait sa vie, ça pousse tant que je suis propre. Parce que bon, quand même, je suis dans la cuisine, donc il y a un minimum. Mais je veux dire, franchement, mes locks ne me demandent pas trop de. Je sais pas, ils m'embêtent pas en fait. Tu les embêtes pas. Et au niveau du travail, tu as au début, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Parce qu'on sait qu'en fonction de certains métiers. Non, moi, je fais à l'ancienne comme les Rasta. Je fais une hijata, je fais monter, je mets mon foulard. Comme dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, quand j'ai fait l'émission de culinaire, j'ai attaché mes cheveux à l'ancienne et après j'ai mis mon foulard, mon bandeau. Et en fait, du coup, ça protège. Du coup, il n'y a rien qui tombe dans l'assiette, ça protège, quoi. Oui, parce qu'on sait que les cheveux, la nourriture, c'est délicat. Ça va pas ensemble. Ouais. C'est comme le cil, hein, mais bon, ça... Là, c'est plus petit. On a cache pour les cils. Enfin, que ça tombe. Peut-être qu'on peut révolutionner, hein, on ne sait pas. Peut-être qu'on est en train de donner une idée à quelqu'un, là. Mais même aussi, on sait que les locks, ça absorbe beaucoup, même au niveau de l'odeur, ça évite de... Ouais, par contre, ça, effectivement, dès que je fais de la friture, par contre, je suis obligée de les laver après. Les acras, là c'est pas la peine. Tout ce qui est friture, non. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Commandez des acras, comme ça, pour embêter ses cheveux. Ouais. Voilà. Ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai. Franchement, peut-être ce serait plus toi qui serais plus amène à me donner peut-être des conseils. Oui, ouais. On va faire un petit diagnostic. Moi, je pense qu'il manque un peu d'hydratation. Mais après, c'est toujours au niveau du cuir chevelu ou si tu peux ressentir en fait des petits tiraillements et autres. Ouais. Quand tu mets trop d'huile, en fait, ça, c'est vrai que sur la longueur, le cheveu a moins besoin d'hydratation. Mais au niveau du cuir chevelu, je pense que tu dois avoir des petits tiraillements doivent arriver parce que tu utilises beaucoup d'huile. Oui. Mais à côté de ça, il n'y a pas l'hydratation. Donc après, je ne sais pas quel produit ta coiffeuse utilise. Peut-être qu'effectivement, au moment où elle te coiffe, elle utilise des produits hydratants puisque ça simplifie le coiffage. Mais je pense qu'après quelques jours, je pense que ton cuir chevelu te tiraille un petit peu parce que tu es vraiment sur l'huile. Plutôt qu'il manque encore un peu un petit truc. Mais pas grand-chose, parce que si tes cheveux poussent bien, c'est qu'il manque pas grand-chose. J'ai juste t'apporter un peu plus de confort au niveau du port des locks, en fait. Mais pas tout le temps. Par contre, ça, je sais pas s'il y a...
un truc s'il faut mettre tout le temps, mais perso, non, pas tout le temps. C'est vraiment l'hydratation qu'il faut apporter, mais l'huile en soi, tu peux le mettre en bain d'huile, tu peux mettre sur les longueurs. Le cuir chevelu, il faut éviter en général. Ouais. Et c'est plus sur des sérums, des trucs très légers ou des huiles très très légères que le cuir chevelu peut absorber vraiment rapidement. D'accord. Pas être sur des trucs trop gras, en fait, parce que là, ça tenait le même truc, en fait. D'accord. Donc, c'est vraiment, je pense, c'est plutôt à ce niveau-là. Et peut-être voir avec ta coiffeuse, savoir quel produit elle utilise. Comme ça, moi, je pourrais mieux te conseiller à ce niveau-là. D'accord. Parce qu'en général, les locks, ça va. C'est plus au niveau du confort, du cuir chevelu. Des fois, ça gratte. Des fois, c'est irrité et tout. Et on se dit, oh, mais c'est pas grave. Au prochain shampoing, ça ira. Mais en fait, pendant une petite période, le cuir chevelu, on n'est pas très à l'aise, en fait, avec. Oh, finalement, j'embête mes cheveux, alors. Les embêter un petit peu. Là, ça y est, là, en train de se dire, oh mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Les embêter, les peaux. Bon, on est là pour ça. On est là pour ça. Mais d'ailleurs, non, mais on remercie. Je mettais pas de huile sur le cuir chevelu. Je mettais que sur la longueur pour coiffer, pour me prendre facilement les chichis. Mm-hmm. Mais du coup, c'est vrai qu'au fond, je mets rien du tout. Mm. Mais donc c'est là où les cheveux ils poussent, exactement, et qu'il faut apporter les nutriments, l'hydratation. C'est un complexe, en fait, c'est un tout. C'est pour ça que c'est pas fort, tu fais pas forcément mal, mais peut-être il manque un petit truc. Ah, mais c'est sûr qu'il manque quelque chose. Non, mais je ne dément pas. Là, j'ai été sincère. C'est sûr qu'il manque quelque chose, étant donné que bon, tu les embêtes pas, donc forcément. Il y a des routines qui ne sont pas faites. Oui, voilà, c'est ça. Je l'avoue, non, mais je l'avoue tout ça. Y a pas de souci. Mais t'as de la chance parce que, mine de rien, ça pousse bien parce qu'elles sont bien, bien longues, tes locks. Merci. Donc, t'as vraiment de la chance. C'est pour ça, c'est parce que comme je vois qu'elles font leur chemin, alors. Tu te dis, ça va. Non, mais après, c'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais le principal dans les cheveux, c'est déjà bien se nourrir, bien s'hydrater déjà. En interne, si ça va, le cheveu, il n'y a pas de raison qu'il ne pousse pas. Maintenant, c'est tout ce qui est confort autour du cuir chevelu et des longueurs, éviter que ça se casse. Mais toi, tu as des locks assez épaisses, donc et tu ne fais pas de coloration à part ce que tu avais fait avant. Ouais. Donc, tu vois, tu fais pas mal, mais le jour où, par exemple, tu vas vouloir aller sur les couleurs, les choses comme ça, là, tu vas dire, oh mince. Ah ouais. Tu vois, là, c'est comme tes cheveux naturels. Hein. J'ai un peu peur de faire la couleur. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça va abîmer un cheveu mort, puisqu'il faut préciser que ce sont des cheveux morts normalement. Mais je pense pas que ça va abîmer, mais perso, j'ai l'impression. Bah après, il y a des étapes, ça dépend de la couleur que tu veux. Maintenant, si tu veux un blond comme africaine, je te dirais bon. Si tu veux faire comme moi, il faut qu'on passe à l'étape supérieure. Tu peux te dire que tes locks, tu vas les couper. Hein. Voilà, c'est clair. Si tu sais que tu vas tailler un petit peu, on peut faire un peu plus. Sur le bout, ouais. Mais si tu veux une couleur plus ou moins foncée, après c'est comme tout, hein. Quel que soit le type de cheveux, à partir du moment où on va faire des techniques, il y aura un soin supplémentaire à apporter parce que le cheveu a été modifié chimiquement. Mmh. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien les produits naturels, mais quand on a modifié chimiquement un cheveu, on ne peut pas rester les produits naturels pour pouvoir les soigner, ou sinon il faut en mettre plus souvent. D'accord. Parce que ça part plus. Quand c'est naturel, ça se dégrade plus vite. Alors quand c'est chimique, ça reste un peu plus longtemps. Donc il faut être un peu plus assidu sur les soins quand on reste sur des produits uniquement naturels. Donc c'est possible, quoi. Ça n'abîme pas le... Il faut faire les soins. Ça fragilise un petit peu le cheveu, mais à partir du moment où tu fais tes soins, moi, ça, en général, ça va. Ouais, bon, je vais réfléchir encore. Veut dire qu'il faut quand même avoir du temps. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui va prendre genre toutes les semaines, toutes les deux semaines? Mais il faut prendre soin de soi. Et sinon, tu as les coiffeuses. J'ai ma coiffeuse qui vient. Voilà. Qui vient à chaque fois. Elle fait combien? Tu fais une fois par mois au moins ou... Oui, ouais, voilà. C'est, en moyenne, c'est ça. Ouais. Une fois par mois, comme ça. Ça va. En fait, les coiffures, elles tiennent longtemps. Mm-hmm. Et du coup, parfois, elle me fait des systèmes genre double coiffure. Donc, je peux avoir des vanilles ou des nattes. Et puis, elle me fait une coiffure. Donc, du coup, je peux tenir avec la coiffure. Après, je défais la coiffure. J'ai encore mes vanilles. Je défais mes vanilles. J'ai mes boucles. Mm-hmm. Donc, en fait, j'ai même trois coiffures en un. Quoi. Une, ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est facile de tenir ce rythme-là, en fait. Okay. Et de changer de tête. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est pas qu'il y a de mauvaises ou de bonnes pratiques, il y a des pratiques qui sont adaptées à son mode de vie et aussi à ce qu'on a l'habitude de faire. Bah oui, donc c'est pour l'instant ça va. Juste modifier, je pense, par rapport, comme je disais, au cuir chevelu. Oui, ça, je prends note. Comme ça te permet de rester sur tes routines et d'apporter le nécessaire, en fait, à ton cheveu. Ça, il y a pas voilà, de... Voilà, c'est ça, c'était plus par rapport au temps, parce que je me dis, waouh, si ça me prend du temps, parce que mine de rien, c'est...
Déjà, quand je fais mes shampoings, c'est archi lourd. Oui, je pense. Donc, c'est ça, c'est le bac à shampoing. Là, d'ailleurs, je dis, il y a des soins, des choses. Ah ouais, c'est... Oui, plus la cuisine. voilà, c'est ça. Plus les enfants, plus. Qu'est-ce qu'on va rajouter, ouais, Florence, rajoute encore du D'ailleurs, on remercie nos internautes hein, qui sont connectés aujourd'hui. On va en citer quelques-uns. Il y a un petit peu de monde connecté là. Oui, il y a alors Colline Serin, je crois. Colin, excusez-moi. Donc Tania Laurent, Olivier Cléry, Ferdinand Ordonné. Je crois que je vais porter des lunettes. Hein. Teddy Lacroix. Ça y est, on voit plus. Oh, il y a Gisor. Oui, je me suis connectée. Il faut partager, liker. Aujourd'hui, on est avec Lova Déby. Jessie Delon, Fan Jock. Je crois qu'il y a. Il y a même Soulina qui est connectée. Oh là là. Peggy Peg. Oh, il y a même Merci l'Angleterre. À vous. Hein. Il y a même l'Angleterre qui est connectée. Merci à vous d'être connectés aujourd'hui. Il y a Willy, normalement, on va le voir tout à l'heure. Salut tout le monde. Yes, salut Willy. Il est là aussi. Donc, on vous remercie d'être connectés aujourd'hui. On va remercier aussi nos partenaires, on a oublié, donc il y a Warcus Wear qui se trouve à Saint-Denis donc pour tout ce qui est freestyle et l'espace privé Florent Gisant pour tout ce qui est coiffure qui se trouve à Montreuil et l'émission S1 News le vendredi sur P2M Radio de 20h à 22h avec Warcus et Soulina qu'on a pu voir connectés aujourd'hui, on leur remercie et on vous remercie aussi pour tous les partages. Aujourd'hui on était avec Déby pour qu'il nous parlait de sa passion pour la cuisine et un petit peu de ses cheveux, voir comment elle fait pour entretenir son cheveu avec sa passion, sachant que faut bien couvrir pour tout ce qui est odeur, pour éviter les cheveux dans la soupe. C'est ça. Ah oui. Bon, j'ai pas ce problème-là, les cheveux dans la soupe, parce que ils sont tous accrochés, ils sont tous collés. C'est plus sympa. Mais avec les par langues, contre, l'odeur, effectivement, ça, oui, ça, j'ai ce problème-là, et du coup, ouais, c'est là où ça demande. Voilà, donc la technique, c'est bien protégé avec. Oui, attaché, mais des fois, ça suffit pas. Ça dépend de ce que je fais. Si j'ai une grosse commande ou qui mérite que je reste 10 heures devant la friteuse, c'est mort. Mais sinon, là, c'est le shampoing direct. Ah, c'est mort. C'est ça, j'ai tout le monde qui me dit « Maman, tes cheveux sont à cra. » Moi, je dis « C'est une bonne odeur. Je crois que je vais venir chez toi. » Donc, voilà. Quoi. Mais en tout cas, merci pour le conseil pour l'hydratation. Avec plaisir. C'est vrai que j'ai pas du tout, mais du tout, je me suis du tout pas inquiétée de ça. Mais c'est ma faute. Hein. Enfin, c'est... Oui, mais on est là pour ça. Voilà. On est là pour ça. Et en fait, et c'est avec plaisir qu'on t'a reçu aujourd'hui pour parler de ta passion et de tes cheveux. Montrer que dans la cuisine, vous pouvez avoir des locks, vous pouvez créer votre entreprise. Elle nous a montré un exemple. En plus, c'est une mom entrepreneur, donc c'est une maman et elle a fait sa création d'entreprise en même temps. Donc je pense que c'est un parcours qui peut vous inspirer aujourd'hui. Et merci vraiment d'être venue. Merci nous voir. À vous. Franchement, c'était un plaisir. La douleur est passée trop vite. Ah oui. Non, mais moi, ça m'arrange, ça passe vite. Maintenant, je vais manger. Ah oui, on passe aux choses sérieuses. On va couper là, on va manger. Ah ouais. Donc, moi, je vous dis à lundi prochain, donc de 17h à 18h sur P2M Radio. Et puis, on vous laisse avec un dernier petit clip. Bisous, partagez, likez, n'hésitez pas. À bientôt. Bye.